Si vous êtes petite ou petit, sachez que vous avez un avantage considérable, vous êtes énergétiquement économique. Si on a moins de volume, on consomme moins d'aliments, on porte des vêtements plus petits, on est moins lourd à transporter, donc on consomme moins d'essence, etc., etc. Selon un groupe de chercheurs, si on faisait de l'ingénierie humaine en réduisant notre taille de 15 cm, ça amènerait à une perte de poids d'environ 25% et une réduction de notre métabolisme de 15 à 18%, donc des calories en moins pour nous alimenter. Techniquement, ça fonctionnerait avec des traitements hormonaux, des manipulations génétiques, mais éthiquement, ça passe moyen. Des fois, les idées sont bonnes quand elles ne restent que sur du papier.